Écoutez Coé, c'est bien le voir, c'est mieux. Mamie. Oui. Oui, c'est moi, ça va? Oui, comment tu vas? Bah bien et toi? Bah ça va, oui, il y a du vent, je t'entends mal. Faut que je te parle là. Faut que tu me parles, qu'est-ce qui t'arrive quelque chose? Non, du tout. C'est en octobre, je devais reprendre les cours là. Oui, bah t'es pas au lycée? Bah non, en fait là j'ai pris une décision. T'as pris une décision, quoi donc? Bah je vais arrêter les cours. Bah de toute façon t'es vieille, t'as de l'argent, tu pourras m'en donner. T'es fou, non mais qui c'est qui t'a mis sur la tête? Encore quel est le connard tête. Justement, j'écoute Coé depuis pas mal de temps, non? Et oui. Donc j'ai décidé de faire de la télécommunication. Pas besoin d'études de toute façon. Coé, c'est celui qui est à la télé là? L'abruti qui raconte que des conneries? C'est ça que tu veux prendre pour modèle? Non, mais tu mets pas de vie comme ça, c'est pas grave. Oui, tu veux pas faire d'études, tu crois qu'on arrive à quelque chose? Hein? Sans faire d'études? Bon, et puis dépêche-toi, ça, on en reparlera. Bah, je vais être comme Coé, moi. On va reparler, hein, parce que là, il faut que je sorte le chien, moi, alors dépêche-toi, hein. Non, mais Coé, c'est mon exemple. Mais quand c'est ton exemple, et bah, tu parles d'un point de repère. Bah, tu parles d'un point de repère. Non, mais... La célébrité, ça fait pas forcément l'homme, hein. Tu sais, non, je te comprends pas, tu deviens de plus en plus... Mais pourquoi tu l'aimes pas, Coé? Je l'aime pas, parce que je l'aime pas, c'est tout, ça s'explique pas. Et puis, de toute manière, j'ai l'impression que, si tu le prends comme exemple, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il a autant de neurones que de cheveux sur la tête. Alors, tu vois un peu ce que ça peut donner, hein. Peut-être qu'en attendant, il est riche, il est célèbre, il est jeune. Je te dis, il est riche, il est célèbre, mais la richesse et la célébrité, ça fait pas forcément l'homme, hein. C'est mon exemple, je vais être comme lui. Mais tu vas être comme lui, mais tu seras peut-être sûrement pas comme lui, c'est pas sûr, comme il y en a de Coé, tu peux dire qu'il devient célèbre sans études, et avec la tête qu'il a, hein, combien il y en a? Bah, il a une très belle tête. Ah, il a une très belle tête, oui, bah, elle est bien vide, en tout cas. Enfin, bon, il fait des vannes drôles, hein. Il est marrant, il fait des blagues. Coé, je m'en fous, c'est toi qui m'apporte, tu es mon petit-fils, et puis je vois que tu tournes mal, et puis ça, voilà, c'est tout, et je trouve ça terrible. C'est pas très grave, tout ça. Comment c'est pas très grave? Mais je suis un copain de Cédric, c'est pas grave. C'est ta copine Cédric, et ben, ça doit être bien, une bonne fréquentation pour un moment. Oh, mais c'est pas très grave ce qui vient de vous. C'est pas très grave, bien sûr. Mais non, c'est pas très grave, vous vous emballez beaucoup, beaucoup là. Mêlé en plus. Comment? Pourquoi vous vous mêlez? Bah, comme ça, j'étais à côté, j'écoutais la conversation, je me suis dit. Un petit peu concerné aussi. J'écoutais la conversation, c'est parfait. Excusez-moi, j'étais un petit peu concerné. Ah bon, pourquoi vous êtes concerné? Parce que vous êtes un copain? Parce que vous avez beaucoup parlé de moi quand même. Ah bon, j'ai parlé de vous. Ah oui? Pas en bien. Vous êtes Coé? Comment? Vous êtes Coé? C'est-à-dire, vous voulez parler de celui qui a la tête vide et qui est... Absolument, oui. Qui a autant de neurones que de cheveux. C'est ça? Et absolument. Eh ben, c'est moi! C'est une blague de merde. Et alors? Encore une blague de merde! Encore une blague de merde de celui qui a pas de cheveux et qui a pas de neurones! Et ça change quoi? Monique. Bonjour Monique. Donc je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Tout ce qu'il vient de vous dire, c'est une blague. Il ne touche pas à la drogue, il ne touche à rien. Faut pas faire piquer votre chien. Bon, bah écoutez, c'est une blague. Bon, c'est mieux, mais c'est tant mieux. Mais enfin, vous devriez pas faire des choses comme ça. Et vous m'aimez pas du tout, hein? Ben non, parce que vous faites que des blagues dans ce genre-là, alors apparemment. Oui, mais alors, mais c'est pas très grave. Si vous voyez tout en noir, y a rien qui vous amusera. Bah oui, bah surtout pas la blague. Alors moi, j'ai peut-être la tête vide et j'ai peut-être une tête mal foutue, mais en tout cas, je m'amuse. Bah tant mieux, c'est déjà ça. Et puis t'es très copain avec Jean-Luc Reichmann. Ben oui, je connais bien votre animateur préféré, Jean-Luc Reichmann. Ah oui, bah oui, bien sûr, effectivement, j'adore Jean-Luc Reichmann. Oh ben, ça m'étonne pas, mais parce que Jean-Luc il est sympa. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Bon, ben d'accord. À bientôt. Et grâce à vous, votre petit-fils il a gagné une télé LCD. D'accord. Pas décédé, hein, ça c'est ce qu'il a. LCD. Je vous fais des bisous. Oui. À bientôt. Au revoir. T'as vu, au début, elle me détestait. Ouais. Maintenant, elle m'aime plus du tout. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Coé.